Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo reset des abysses et surtout nouveaux abysses de la 3.0 avec l'arrivée de Sumeru. On a déjà fait l'étage 9, 10, 11, alors il faut savoir que moi je fais un petit défi à chaque fois qu'il y a des abysses, des nouveaux abysses. Ce que je fais, hein, tout simplement, c'est je ne regarde pas les ennemis et je choisis deux teams. Je mets une petite prédiction dans le chat, voilà, parce qu'on est actuellement sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien, il est dans la description. Je fais les abysses. En gros, je ne regarde pas du tout les ennemis. Je choisis deux teams. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi deux teams. Une team super forte et une team expérimentale d'Endro. Il ne faut pas en prendre apparemment. Le chat est un peu en mode, tu vas pas réussir à faire les 36 étoiles. Le but, c'est de faire les 36 étoiles, bien évidemment, en ne connaissant pas les ennemis. On a commencé étage 9, 10, 11. Je vais pas vous les mettre dans la vidéo parce que pour moi, c'était une promenade de santé. J'ai des persos beaucoup trop forts pour ces étages-là. Mais maintenant, l'étage qui va nous intéresser, ça va être l'étage 12. Vais-je réussir à faire les 36 étoiles? On va découvrir en même temps les étages. C'est parti. Alors, mes deux teams sont... Première team, la nouvelle team qui fait un peu fureur parce que, tout simplement, on a la réseau Hydro qui donne beaucoup d'HP. En plus, avec Yelan, Utao, Zhongli, Yelan, Xingqiu ou Xingqiu. Excellente team, ça arrache tout, tu vas voir ça juste après. Et deuxième team, c'est la team où on m'a dit aïe aïe aïe, ça va mal se passer pour toi. J'ai mis Niamiko pour faire justement la propagation, la stimulation et après faire plus de dégâts en Endro. Tignari qui est sous-côté encore une fois, vous allez voir la puissance, même si peut-être que je vais pas faire les 36 étoiles. Je vais découvrir hein, les abysses. Diona car je laissais 6 pour faire un boost de maîtrise élémentaire pour heal et pour du shield. Kolei, level 40, qui est inutile, qui est là pour appliquer la stimulation avec la Yamiko. C'est parti. Première salle de cet étage 12. Vais-je y arriver? Tout le monde, je vous mets pas le chat, mais le chat est en mode « Ouais, tu vas pas y arriver, ouais, ouais, ouais. » Comme ça, donc on verra bien. En tout cas, vous allez voir que là, la première team, ça va être juste du gâteau. Voilà, ça va être juste du gâteau. On met Yelan ulti. Le combo avec Xingqiu, hein, je dis Xingqiu hein, les gars. Ça fait beaucoup trop de dégâts. Là, je mets Utao et normalement c'est finito. Et voilà, hop. Oh mais ils sont résistants ceux-là par contre. Hein. Ils sont résistants en vrai. Hein. Ouais, je vais peut-être avoir du mal. Hein. Avec ma deuxième team, je vais peut-être avoir du mal. Hop, on va pas utiliser d'ulti encore. Ah mais c'est pas fini. Ah c'est pas fini. Ah ouais la salle est archi longue. Alors je t'avais dit que la team était très très forte. Tu peux le voir, on l'a fait en moins de 1 minute. Maintenant la partie 2. Alors c'est vrai je l'ai pas dit, on me l'a dit dans le chat. La moitié des gens ont mis oui hein, ont cru en moi. Sauf qu'ils savaient pas que j'allais mettre quelle team. Et là je mets une team d'Endro, apparemment il faut pas du tout. On verra hein. Peut-être que ça va pas poser problème, mais vous allez voir que Tignari est très 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 puissant. Après, s'il y a des résistances d'Endro devant, ça va être compliqué, mais on verra. Let's go! Allez. Allez, on va essayer de mettre ça pour appliquer la stimulation. Hop, la petite Yamiko. Hop, ulti. Vous allez voir. On a loupé. Hop. J'ai fail, hein. J'ai clairement fail, mais c'est pas grave. On fait quand même pas mal de dégâts. Hein. On s'en sort bien. Ok, on remet les petits trucs de Yamiko. Les petits totems. Il me court dessus! Ok. Ah ouais, je mets v'là du temps, hein. Bon, au moins. Encore 3 personnes. Ah, c'est eux. Ouais, ça va être chaud, hein. Ils l'ont dit. Bon, j'ai une minute pour faire ça. Je pense que ça peut le faire. Hein. Ah ouais, il y a ça. Ok, d'accord. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, en vrai. Ouais, bon, j'avoue. On,
En 40 secondes, ça devrait le faire. Il casse les couilles avec son truc. J'ai pas d'hydro. J'ai pas d'hydro. Bon, heureusement que j'ai de la surcharge, c'est bon, ça le fait. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça le fait. Voilà, on a les 3 étoiles. Ça va être chaud, je pense. Je pense que ça va être chaud. Je suis con, j'ai mal fait. En vrai, faudrait que je me concentre. En vrai, là, j'hésite à prendre ça, mais on a déjà une team trop pétée, donc autant mettre plus 20% d'attaque pour augmenter la deuxième team. Ça va être chaud, hein. Allez, go. Allez, go. Ouais, bon. Ouais, bon. Là, ça va pas me poser problème, là. Cet étage-là, je pense pas qu'il va me poser problème. Oh non. Je dis ça et je fais de la merde. Vite. Ok, 2 minutes 30 pour terminer la prochaine salle. On verra. On va y aller. Apparemment, celui-là, c'est le plus compliqué. On m'a dit si je le passe. Si on le passe, celui-là, c'est aise. Faut bien que je focus parce que juste avant, j'ai vraiment mal focus. Allez. Ok. Ok, il n'y a que lui. Non! Mais! Attends, c'est normal? Je suis trop con. Ma parole, je suis trop con. Oh là là, je suis giga con. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein? Oh là là, ma parole, j'ai ruine. Oh, j'ai ruine. Oh, j'ai ruine. Oh là là. Oh non, mais non, ils sont partis où les trucs? Ok, ça va. Ok, c'était pas si dur que ça. Hein. C'était pas si dur que ça. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus dur. On a fait ça en 1 minute d'avance. Là, vraiment, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Mais on peut voir quand même que j'ai mis énormément de DPS dans le vide. Surtout au début, il était même pas réveillé. Je sais pas si vous avez vu l'erreur. Il était même pas réveillé. Je lui ai tout mis dans la gueule. Pattern, mais pas du tout le pattern avantageux. C'était easy. Je m'en bats les couilles. J'ai tout fail et j'ai réussi à le tuer. Easy, les gars. Ok. Ok, là, ça va chier. Là, ça va chier. Ouah, mais il y en a 10 000! Oh non. J'ai utilisé l'ulti. Ok. Normalement, il faut que je termine rapidement. Je sais pas quoi m'attendre pour les prochaines salles. Que je termine rapidement. Elle a failli passer, hein. Bon, heureusement, c'est la dernière salle. Allez, 1 minute. Il y en a encore 3. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais, là c'est chaud. Ok, 2 minutes 40. Non, 1 minute 40, je crois, pour terminer la deuxième salle.
Ok. Bon, partie 2, vais-je terminer les abysses en ne regardant pas avec une team. Dendro en deuxième team avec une collègue level 40. Let's go. Allez. Oh non. 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 Ok. Oh, il est au sol. Oh, je fais quand même énormément de dégâts. Regardez les dégâts de Tignari, les gars. C'est quand même dingue, hein, les dégâts de Tignari. Hein. Vous avez vu, c'est n'importe quoi. Hein. C'est quand même dingue. Même contre un truc d'Endro, j'arrive à faire énormément de dégâts. Hein. C'est pété. Hein. Ma collègue sert à rien. Oh, c'est de justesse. Hein. Oh, petite frayeur sur la fin. Et bah voilà. Bon, les abysses. Bon, après, moi, j'ai des persos assez forts. Que des C0. Voilà, si jamais vous voulez savoir. N'hésitez pas, il y a mon UID que je vous mettrai juste ici. Bah, écoutez, j'aime bien ces abysses. En vrai, en plus, on peut même s'amuser avec Tignari. Avec une team avec Collei level 40 qui fait aucun dégât. Mais voilà, franchement, j'aime bien. Nouvelles abysses. Nouvelles ou nouveaux abysses, ça fait plaisir. Encore une fois, le chat a eu tort. Et ouais, encore une fois, le chat a eu tort. Sans regarder, j'ai réussi à les finir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces abysses. Si elles sont dures, pas dures. N'hésitez pas à venir aussi sur le stream. J'aide les gens à faire leurs abysses. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à venir... Chill, man, chill les abysses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, parce que vous n'êtes pas abonné encore. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur YouTube ou sur Twitch. Ciao, ciao.